Yo, Luc Leblanc, le duc du barbecue. Avec une nouvelle veste. Faites à ses becs. Hey. J'ai un super gros flanc de porc ici. Puis là, si on monte sur le côté comme ça, là, ça ressemble à quoi ça? À du bacon. Fait qu'on fait du bacon. On met ça en salaison, on va le fumer plus tard, genre dans une semaine. Fait que là, on commence. Sirop d'érable. Je mesure pas ça, là. C'est pas une belle job propre, là. Fait que je graisse mon flanc de sirop d'érable. T'as-tu oublié ta manche? Il était un peu tard pour lever ma manche. Mais bon, je devrais m'en sortir. Alright. Fait que, après ça... C'est déjà tout sale. Un petit peu. Mais là-dedans... C'est ici. J'ai 12 grammes de nitrite, j'ai 20 grammes d'érythorbate, puis j'ai 145 grammes de sel. Puis ça, ça a rapport au poids de ma pièce. Puis tout. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Maître Fumeur. Il y a une calculatrice. Là, tu rentres le poids de ta pièce de viande. Ça te dit les bonnes quantités à mettre de ces produits-là. Parce que du nitrite, c'est un petit peu poison. Fait qu'il faut le doser comme il faut. Super cool site. En fait, je m'inspire beaucoup de la recette là-dessus. À part les fautes de français, c'est vraiment cool comme site. Désolé, mais je pouvais pas passer ça sous le silence. Fait que là, j'en mets à peu près la moitié de mon stuff ici, là-dessus. C'est comme un gros morceau de viande à stocker. Puis moi, j'ai un deuxième frigidaire, où est-ce que je vais mettre ça? Vous autres, je me demande bien si ce que vous avez fait. Mais bon. Puis, je mettrai pas 100 000 autres choses. Cassonade. J'en mets pour qu'il y en ait partout, tout simplement. Ok, fait que là, je suis super sale. Je me passe la main à l'eau, je vais poivrer ça. Je pars pas en beurre avec les aromates parce que j'ai pas le goût d'avoir un bacon bizarre. Là. Fait que je vais juste poivrer. Un peu partout comme ça. Puis, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Puis, je mets ça dans le frigidaire une semaine, 7 jours. Fait qu'on se revoit dans 7 jours. Yo, Luc Leblanc, truc du barbecue. Ça fait une dizaine de jours que j'ai mis ça en salaison, ce morceau de bacon-là. Puis, tout. Le jus là, qui est sorti de la viande, puis la viande a changé de couleur, puis là, vous pouvez pas y toucher. Mais elle a changé de texture aussi. Là. Elle est super plus ferme, tu vois, qu'il y a moins de l'humidité dedans. Puis c'est pesant. Là, j'essaye d'aller rincer ça. Hé! Hey, comment qu'on fait pour pas faire de dégâts? Je vais faire des gouttes à terre. Fait que le but, c'est de rincer toute la saumure qu'il y a dessus. Je ne me regarderai pas faire tout le long. Ça va être assez long. Fait que je frotte, puis... Tu fais quoi après? Après, j'ai cette grille-là. Fait que je mets ça dessus pour que l'air circule tout le tour de mon flanc de porc. Je mets ça dans le frigidaire. Regarde, on est jeudi soir, je vais fumer ça le samedi matin. Fait que ça va passer tout ce temps-là à découvert. Pas de saran wrap, rien. Pas rien. Puis, pour la sécher bien comme il faut. Fait qu'on se revoit samedi matin pour fumer notre bacon. Duc du barbecue, de retour. Ma pièce a passé une dizaine de jours en salaison. J'ai tourné ça de côté tous les jours dans le bac. Je l'ai sorti, je l'ai rincé. Ça a passé à peu près 36 heures à découvert dans le frigidaire pour que ça s'assèche comme il faut, pour que la fumée adhère bien. Puis là, il faut que je vous montre ça. Ça va pas-tu être du beau bacon, ça? Donc, j'ai parti mon fumoir, j'ai allumé une cheminée, on m'a déjà vu faire ça en masse. Là, je voulais 200 degrés, j'ai 200 degrés. Super cool. Fait que je mets ma pièce de viande, mes pièces de viande maintenant, dans le fumoir. Et je prends mon thermomètre flambant neuf qu'on vient juste d'acheter
parce que c'est tout le temps scrap un thermomètre comme ça. Ça t'offre pas. Fait que là, regarde ça, si c'est bien fait, je peux passer ma sonde là. Fait que je le rentre dans la partie la plus épaisse. On dirait que j'ai de la misère. Ça a l'air une viande dense. Ouais, parce que quand elle a perdu son humidité comme ça, là, ça raffermit pas mal. Puis c'est ça qu'on veut. Donc j'ai un morceau là. J'ai même mon autre grille. Mon autre morceau. J'avais un petit retard ici. On va quand même la faire. Peut-être que ça sert à rien, mais bon, j'ai de la misère à gaspiller. Ferme le fumoir. J'ai émondé mon pommier il y a 2 ans. J'ai gardé toutes les petits bouts. Ça, c'est pas mal ce qui me reste. Donc, ça va être le bacon fumé au pommier. C'est-tu pas fancy, ça? Fait que, tout simplement, je pitch ça dans le feu. Je referme ça. Puis là, ça devrait fumer quelques heures. Honnêtement, j'ai du mal à le dire. Je m'attends à 3 heures, quelque chose comme ça, jusqu'à temps que j'aille une température de 150, 160 degrés. Fait que là, on commence à... Là, il est en Fahrenheit, 38, fait que bon, ça commence. On a un bout à faire. Oh! Le gadget! Fait que, peu importe ce que je fais, je vais connaître la température de mon bacon. Ça a fumé 3 heures, j'ai atteint 150 degrés. J'ai double-checké avec mon autre thermomètre. Fait que c'est 150 partout. C'est de ça que ça a l'air, c'est comme pas mal cool. Donc, j'ai du papier d'aluminium, on va sortir ça, j'emballe ça super comme il faut. Je laisse la viande revenir à température pièce. Je soigne ça le frigidaire jusqu'à demain matin. Demain, on va slicer ça et goûter à ça. Le bacon est prêt, ça a passé plus que 24 heures au frigidaire pour qu'il tête, puis ça a marché, c'est tête. Ça a vraiment l'air du super bacon de la mort. Donc, checkez bien ça. J'ai vraiment hâte. Yeah! En plein ça qu'on veut. Oh yeah! Fait que bacon maison du Duc. Essayez ça.